l'extrême sud-est de l'Algérie et à 2400 km de la capitale se trouvent les deux régions de l'Ahaggar et de l'Asjar. Elles cadrent actuellement avec les deux wilayas de Taman al-Asad et d'Ilizi. L'importance du patrimoine culturel et naturel de ces régions pour l'humanité a été consacrée par la promulgation de textes de création des parcs nationaux du Tassili Nasjar et de l'Ahaggar, respectivement en 1972 et 1987. L'organisation sociale des populations Touareg qui habitent ces régions est très hiérarchisée. Elle se présente sous forme d'une pyramide à la tête de laquelle se trouvent les nobles qui ont droit au commandement grâce à leur descendance d'un ancêtre féminin, représente une autre spécificité de ces populations. Cette organisation sociale est sous-tendue par le rôle de la femme qui constitue une matrice assimilée à la terre et donc à l'origine de l'univers. La musique Touareg la plus célèbre est sans doute l'imzad. Il en est l'instrument emblématique par excellence. Il est joué exclusivement par les femmes qui fabriquent elles-mêmes leurs instruments. L'imzad est une vielle monocorde. Il est constitué d'une calebasse recouverte d'une peau tendue. La fabrication de l'instrument de l'imzad fait appel à un savoir-faire particulièrement minutieux que seules les femmes détiennent. Elle passe par la préparation de la peau qui doit respecter une certaine épaisseur et s'entoure d'une attention particulière et peut durer environ 2 jours. Les récipients et tous les produits qui entrent dans cette préparation doivent être d'une propreté irréprochable pour, dit-on, donner la vigueur nécessaire à la peau une fois montée sur la calebasse. Le choix de la calebasse doit tenir compte de sa taille et de son épaisseur. Elle est faite d'une citrouille locale de forme sphérique, tétéclaste, séchée et évidée et qui est ensuite enduite de beurre frais et laissée pendant un temps se sécher au soleil. Les éléments en bois sont les chevalets tiziwen, constitués de 2 bâtonnets en forme de V. Le manche tabourite, relié de bout en bout par une mèche en crin de cheval. Et enfin l'archer, tagané, fait d'une branche de bois arquée et liée d'une extrémité à l'autre par une autre mèche en crin de cheval. Enfin, le crin de queue de cheval, élément précieux car appartenant à un animal à la fois noble et rare dans le Sahara. Il est choisi selon sa solidité et flexibilité. Le bon crin est celui extrait du milieu de la queue du cheval, car celui du haut est trop jeune, alors que celui de l'extrémité est trop vieux. Ces détails ont leur importance sur la sonorité du violon, car un vieux crin est toujours sujet à l'usure et à l'effritement, tandis que le jeune est encore trop court. Par contre, celui se trouvant au milieu de la queue a atteint, tout comme un homme, sa maturité et est donc digne de servir dans les séances de l'imzad. L'imzad se joue assis, l'instrument sur les genoux, la main gauche tenant le manche et pressant la corde, la main droite tenant l'archer. La tête est légèrement penchée du côté de l'instrument si le jeu est en solo et sur le côté opposé s'il est accompagné. Ce que l'on peut traduire par « L'imzad, c'est moi qui suis son frère, il repose sur un genou et moi sur l'autre ». Des origines de l'imzad, la légende raconte que, dans un temps primaire,
où on ne connaissait pas encore la musique, les hommes passaient inlassablement leur temps à se faire la guerre. Un jour, deux groupes adverses se disputaient un point d'eau et s'affrontaient à coups de sabre. Les femmes, outrées, se concertèrent et décidèrent de prendre l'initiative d'établir l'ordre et donner du sens à la vie. Une femme fabriqua un imzad, mit ses plus beaux atours, alla à proximité du champ de bataille, s'assit et commença à faire résonner son instrument. Les airs de l'imzad fusent, se propagent dans l'univers jusqu'à arriver dans les oreilles des combattants. Éblouis par ce qu'ils venaient d'entendre, ces derniers arrêtèrent le combat. Les épées se glissèrent de leurs mains pour se ficher dans le sable. Tous ensemble, les hommes allèrent chercher l'origine de ce son envoûtant. Ils aperçurent une femme assise seule, l'imzad entre les mains. Ils s'approchèrent, tout émus, et s'assirent autour d'elle. C'est ainsi que fut née l'Ahal. L'Ahal est l'occasion où se joue habituellement l'imzad. Cette légende renvoie à une temporalité faite de désordre et de violence. Une temporalité sauvage, proche de la loi de la jungle. Tout cela parce que l'imzad n'était pas encore connu. Pendant ce temps-là, les gens ne connaissaient de la vie que son côté violent et n'avaient d'autre passe-temps que la guerre. La virilité masculine l'a emporté sur la douceur féminine. Cette temporalité contraste avec une deuxième caractérisée par la paix et l'ordre inaugurée par la découverte de l'imzad par la femme. L'harmonie et l'ordre qu'instaura l'imzad sur terre sont en fait alimentés par la beauté et l'esthétique qui se trouvent dans la nature et qui constituent les thèmes favoris de cette musique. C'est pour cette raison que l'imzad est aussi sensible aux éléments de cette nature qui inspirent beauté et perfection comme la démarche de certains animaux élégants tels que la gazelle, la daxe, l'autruche, auxquels il a dédié des airs entiers qui les consacrent dans la mythologie même après leur disparition du Sahara. Le son de l'imzad est censé être l'émanation des sentiments de sa joueuse et l'interprète de ses états d'âme. Il se transforme en un médiateur qui lui permet d'entrer dans un état pouvant l'aider à prédire des événements importants pour la communauté. Si l'imzad refuse de résonner sous les doigts de son maître, on devinera alors qu'un malheur est arrivé. Cette situation suscite un climat de suspicion et d'effrayement parmi les présents. La connaissance de différents airs musicaux et la maîtrise de l'instrument sont des marques de prestige et source d'estime pour la femme. Le nombre de femmes sachant encore jouer l'imzad est en diminution et que les occasions où elles peuvent exécuter leur art sont extrêmement rares. Il s'agit des réunions très occasionnelles entre intimes. Ainsi, parmi les 36 airs recensés dans l'Ahagar, seuls 31 sont encore détenus par la dernière grande interprète de cette musique, Eudaber Beyat. Mm-hmm.